Bonjour à tous, aujourd'hui on joue à Top Form. Les joueurs à partir de 12 ans vont pouvoir s'entraîner, se lancer des défis et se dépasser grâce aux exercices physiques proposés par le jeu Top Form de Topigame. Qui aura la meilleure forme olympique et gagnera les deux coupes lui permettant de remporter la partie ? Le coffret contient 60 cartes, 52 pièces, un dé, un sablier de 30 secondes ainsi qu'une boîte de rangement pour pouvoir emmener son jeu partout. Trois niveaux de difficulté existent dans le jeu et sont représentés par des médailles de bronze, argent et or. Pour chaque niveau de difficulté, le nombre de répétitions de chaque exercice est indiqué sur les cartes. Pour mettre en place le jeu, il faut trier les 60 cartes en 6 piles de 10 cartes, c'est-à-dire par couleur. Le dé est composé de 6 faces correspondantes aux 6 couleurs des cartes à piocher. Le joueur le plus musclé commence et lance le dé. Il pioche alors une carte de la pile indiquée par le dé. La carte orange correspond au défi solo. Le joueur doit choisir son niveau de difficulté et faire l'exercice de la carte. S'il réussit à atteindre le nombre de répétitions prévues, le joueur remporte la médaille en fonction. Placez vos mains derrière vous sur une chaise ou autre surface plane. Descendez jusqu'à ce que vos triceps soient parallèles au sol. Come on, no ! La carte bleue correspond au défi collectif. Tous les joueurs doivent réaliser l'exercice proposé après avoir choisi le niveau de difficulté. Chacun gagne la médaille selon le niveau si le défi est remporté. Choisissez votre niveau. C'est 8, 12 ou 20. Il faut faire comme ça là, tac, tac, tac. Ouais. Moi je prends le 8. Bon, on va prendre le 12 parce que 20... La carte rose correspond au défi ciblé. Le joueur dont c'est le tour désigne un autre joueur pour réaliser l'exercice de la carte. Si celui-ci réussit, c'est l'autre joueur qui prendra la médaille correspondante au niveau du défi. S'il ne réussit pas, c'est le joueur qui a réalisé l'exercice qui doit donner l'une de ses médailles à son adversaire. Du coup Marie, oui. Je veux que tu fasses ça, oui. Et je veux que tu en fasses 20. La carte grise est une carte bonus. Le joueur doit réaliser l'action décrite sur la carte. Piocher une carte défi duo. Tu dois défier la personne de ton choix. Chaque joueur choisit la... C'est quoi ? Oh, mon dieu, mais on peut pas faire ça ! Plus c'est voir pour amener le buste vers le sol. Moi tu me défies pas, hein. J'en fais pas ça. Ça. La carte rouge est une carte question. Celles-ci sont orientées sur le thème du sport. Le joueur relance alors le dé et c'est celui situé à sa gauche qui pioche une carte pour lui poser la question correspondante à la face du dé. S'il répond bien, il remporte une médaille bronze, sinon il ne gagne rien. Lequel de ces joueurs de tennis n'a jamais remporté Roland Garros ? Moi. Thomas Muster, Carlos Maya, Moya, Lev Gueni, Kavelnikov et Pete Sampras. C'est moi, le Sampras. Non, c'est Sampras qui l'a jamais gagné. La carte verte correspond au duel. Ici, le joueur défie la personne de son choix.
L'exercice indiqué sur la carte se fait à deux, même si chacun choisit son propre niveau de difficulté. Une médaille est remportée ou non, selon si l'exercice a été bien réalisé. Garder une courbe naturelle du dos et il faut que tu tiennes entre 20 secondes, 30 secondes et 50. Positionné comme ça. Ouais. C'est pas et des pompes, c'est en non. position. Ah oui, oui, oui. Donc du coup... 30. Lorsque l'un des joueurs atteint le nombre de points requis pour avoir deux coupes, il gagne la partie. C'est Ignace qui a gagné. Si vous êtes intéressé par Top Form, nous vous mettons les liens utiles en dessous de la vidéo. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager nos démos et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Qui aura la meilleure forme olympique et gagnera les deux coupes ? Les deux coupes. Pour mettre en place le jeu, il faut tirer. Attends, j'ai perdu la ligne. Voilà, ça y est.